Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ben, me voici sur mon lieu de vacances. Et en fait, j'ai pas pu résister, même en vacances, à aller chez Action. Alors, pour dire la vérité, c'est un petit haul. Enfin, moi, je le trouve petit. Mais en fait, sur le ticket, il n'y a pas grand-chose, mais le sac à main est quand même pas mal. Attendez, je vais le chercher. Vous avez vu les coulisses, on n'est pas dans mon atelier, j'ai pas loin à faire. Et j'ai trouvé le cadre le mieux. Donc, voilà. Allez, du coup. C'est bien plein, il va y avoir un peu de tout. Ah d'ailleurs, je voulais vous montrer. Regardez ce que j'ai fait. Je l'amène partout. Donc, à la base, avant d'aller chez Action, enfin, dans le coffre, il y avait les serviettes de plage, la crème solaire, les casquettes, il y avait tout ça. Et vu que je suis allée au magasin, je me suis dit, merde, il faut un sac. Ben, j'ai tout vidé dans le coffre, donc il ne faut pas avoir l'état de mon coffre. Et j'ai récupéré le sac. Mais franchement, il est beau, non? Bon, vous me direz en commentaire. Bref, allez, on y va. Alors, pour commencer, on a pris, il y a un peu de tout. Du coup, il va y avoir des trucs pour la voiture, un peu pour la rentrée scolaire, des activités pour occuper les enfants pendant les vacances. Enfin, voilà, hein, comme ça, vous voyez, un peu de tout. Allez, déjà, pour commencer, j'ai pris des petites chaussures en toile comme ça, Converse. Et pour l'anecdote, celle-là, je suis dégoûtée. Alors, combien on a payé ça, par contre? 7,99. Mais je suis un peu dégoûtée parce que je les avais déjà achetées à ma fille et je pensais lui avoir pris du 33. Et là, je me suis dit, oh cool, il y a du 31, parce que le 33, il lui allait hyper grande. Et là, je me suis dit, bon, vu que c'est notre action, j'ai pris plus petit en 31. Et là, je viens de lui ramener, elle me dit, mais maman, c'était du 31 que tu avais pris à la maison. Du coup, elle était dégoûtée, en larmes, parce qu'elle les aime trop. Et en fait, on finit avec deux paires de Converse en 31. Voilà. Donc, qui c'est qui va être obligé de retourner à Action? Non, oh, c'est con la vie. Mais bon, je vais y retourner parce que je vais les ramener deux paires en 31, ça sert à rien. Et même avec des semelles, elles taillent trop grandes pour le coup. Elles taillent vachement grandes pour les enfants. Donc, faites gaffe, faites-leur tester avant de les acheter. On est resté 1 heure sur une paire de godasses. Et attendez, comme ça, on va rentabiliser notre temps. J'ai pris les mêmes à ma nièce. Alors, en 33, hop. Allez, je cherche la deuxième parce que là, pour le coup, on a dû chercher dans le rayon les deux chaussures. Donc, j'ai fait gaffe d'avoir bien un pied droit et un pied gauche, sinon j'aurais été un peu blasée. Donc, les mêmes, 7,99. Et celle-ci, on a pris en 33, mais réellement, elle fait au moins une ou deux pointures de moins. Donc, voilà, faites vraiment gaffe. Mais moi, je les ai en adulte, en noir et en blanc. Et franchement, je les mets souvent. Et j'ai même les vrais Converse. Et en fin de compte, je finis, je mets plus cela. Et niveau qualité, exactement comme les autres. Alors, ne payez pas une blinde, ça sert à rien. Ça va être tout mélangé. Après, j'ai pris ça à 1,95 €. En fait, c'est des rangements pour les perles. Donc, comme vous avez vu, la semaine dernière, je vous ai fait un haul pour les perles. Après, je vous ai fait des DIY. Et là, pour le coup, c'est des petits rangements. Alors, on va l'ouvrir. Ça va être sympa parce que je ne sais pas comment je vais faire pour ramener un sac de plus dans ma voiture en revenant de vacances. Je pense que ça va être compliqué. Déjà que le coffre était gavé. Mais bon, bref, on verra. Hein, chaque problème a sa solution. Donc, ça fait des boîtes comme ça avec 8 compartiments. Et je pensais qu'elles se clipsaient entre elles. Et j'ai l'impression que non. Non. Bon, en gros, il y a un petit rebord. Donc, elles se maintiennent, mais il n'y a pas de clips. Mais je pense que c'est pas mal parce que du coup, ça fait pas mal de rangements pour ranger toutes les perles différentes. Et 1,95 €, quoi. C'est pas cher. Donc, ça ira dans ma pièce de loisirs créatifs. Ensuite, ah, bon, Mia est déjà passée par là. Donc, je le remets comme si rien n'était. Hein. Faites genre, vous n'avez rien vu. Alors, j'ai acheté un petit biberon comme ça à 79 centimes. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, j'adore. Elle en a déjà un à la maison. Et là, on a pris le bébé, mais on n'a pas pris de biberon. On a pris le bébé, mais on n'a pas pris de biberon. Donc, attendez, je l'ouvre. Donc, tu as le lait là. Et après, petit à petit, que tu donnes au bébé, le lait disparaît parce que le bébé boit tout. Enfin, moi, j'aime bien ces trucs. C'est con, mais j'adore. Bon, on va garder l'emballage de côté parce qu'en vrai, ça sert à rien. J'ai gardé que pour le haul. Ensuite, ça, c'est mon homme. Il a pris quoi? Il a pris deux paires de chaussettes. 2,95 €. Donc, du coup, il y a trois paires dedans, c'est ça? Ouais. Il y a trois paires. C'est des petites soquettes comme ça, ça ne se voit pas quand tu mets des chaussures, des baskets et autres. Et elles sont pas mal, c'est des lotos. Il a pris deux paires. Je pense qu'il a dû oublier de les prendre dans sa valise. Donc je pense que c'est pour ça qu'il les a prises. Ensuite, ben, toujours mon homme. Un pot de gel. Et il me semble que ça, il m'a dit, oh, je l'ai carrément zappé. 1,99 €. Et il a le même à la maison. Donc en fait, il fonctionne super bien. Ah, j'adore l'odeur. Bon,
Moi, j'aime bien quand les produits ont des odeurs. Ensuite, on passe au pitchoun. J'ai pris des petits stylos comme ça. Je trouve ça génial. Alors, il y avait plusieurs motifs. Là, pour le coup, j'ai pris mini pour Mia. Et j'ai pris princesse, en gros, avec c'est plus sirène que princesse pour moi, pour Alicia. Mais il y avait aussi pas de patrouille. Enfin, il y avait d'autres trucs. Il y avait la reine des neiges. Enfin, il y avait pas mal de choses. Et je trouve ça génial. Je vais ouvrir celui de Mia. Parce que je pense qu'il y aura moins la guerre qu'Alicia. Parce qu'Alicia va me dire, oh, mais tu l'as ouvert, je voulais trop l'ouvrir. Donc, on va éviter la guerre. On est là en paix pendant les vacances. Donc, c'est un stylo, en fait. Ah, combien il y a de couleurs? 10 couleurs. Donc, c'est un stylo 10 couleurs. Et en fait, si tu veux écrire, par exemple, en vert, tu descends. C'est comme les 4 couleurs qu'on connaît initialement, quoi. Attendez, j'ai rien pour tester. Bon, c'est pour le truc d'après. Mais en gros, t'écris. C'est bien vert que j'ai mis? Ouais. Bon, t'écris en vert, t'écris en... Hop là, tout déconne déjà. Que ça marche bien. Eh ben, pourquoi j'arrive pas? Ah! Ben, au moins, vous saurez le faire, vous serez moins nouilles que moi. En gros, tu mets ta couleur, t'écris. Et en fait, normalement, sur les 4 couleurs, tu baisses l'autre pour pouvoir le prendre. Mais là, pour le coup, non. Tu tournes, t'appuies. T'appuies sur la tête et ça t'enlève la couleur. On va refaire le test une dernière fois. Ouais, voilà. Hein? Comme ça, vous saurez le faire du premier coup. Donc, hop, pour les pitchouns. Ensuite, ça, c'est un peu pour la rentrée scolaire. J'ai trouvé ça super mignon. 96 centimes, c'est des petits stabilos. Donc, je pense qu'Alicia, elle doit en avoir besoin dans sa liste de rentrée scolaire. Donc, au moins, on l'aura. Après, alors ça, je suis dégoûtée. J'en ai plus chez moi. Il me fallait toutes les couleurs. Et il n'y en avait plus dans le rayon des loisirs créatifs. 99 centimes. Et mon homme, je dis, ah, trop bien. Il revient avec dans le rayon, il me dit, ah, tiens, j'avais trouvé. Je dis, ah, mais trop bien, je vais chercher les autres. Il me dit, non, mais cherche pas, je les ai trouvés dans les culottes. Donc, bon, bref, hein. Donc, j'aurai ça, je vais m'en contenter. Ça, j'en ai toujours, indispensable. Hein. Et ça, il vous en faut. Pour n'importe quel DIY, il faudrait que je me fasse des piles à rentrer à la maison, à distribuer aux filles. On verra ça tout à l'heure. On a pris. Ah oui, pour le chien. Ah ben ça, ben pareil, en fait je fais ce haul, mais j'ai été alpaguée direct. Ça, c'est des petites friandises pour notre chien Salto, 2,99€. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Et normalement, il y en a 2 tresses, mais mon homme n'a pas pu patienter, il lui a déjà donné un direct, comme ça, c'est fait. Ensuite, ça, pour la pitchoun. Alors, il y a plein de motifs aussi, nous pour le coup, on a pris Peppa Pig. C'est une petite gourde à paille. Donc, tu as la petite paille là, elle est souple, mais du coup, c'est pas mal. Et après, bon, rien de fou, hein, tu remplis. Et... Par contre, il n'y a pas de joint. Alors ça me fait peur, il n'y a pas de joint. Donc, à mon avis, il faut bien la garder droite. Hein. Et il y a une petite lanière, comme ça, le petit peut le tenir. Mais bon, pour le coup, ça, je parie pas dessus. Hein, parce que bon, je me vois mal la laisser avec ça. Là, je vous dis qu'il y a de tout. Ensuite... Après, on a pris ça, 3,48€. J'en avais déjà acheté pour ma salle de loisirs créatifs. Et là, pour le coup, c'est ma nièce qui en avait besoin dans sa coiffeuse. Elle n'a pas assez de rangement et son tiroir est trop bas. Donc, du coup, elle a pris ça pour pouvoir ranger un petit peu son make-up, ses masques. Enfin, voilà quoi. Donc, toujours les petites nièces dans le coin. Elles sont toujours pas loin. D'ailleurs, elle est tellement pas loin qu'elle est de l'autre côté du téléphone, elle. D'ailleurs, si vous me voyez... Parce que vous rigolez, parce que le téléphone il est posé sur un tabouret, une caisse, une panière, un livre, et pour tenir le téléphone pour pas qu'il tombe, il y a une crème de jour. Et derrière, il y a Louane qui vérifie que je suis encore dans le cadre, tu vois. C'est les vacances, on fait comme on veut. Tu crois que je vais me ramener à mon trépied déjà que j'ai plus de place dans le coffre? Nous continuons. Après, ouais, pour occuper les petits, toujours pareil, Mia elle adore prendre les tampons de l'entreprise, moi à chaque fois, pour les feuilles. Et du coup, là, je me dis, c'est quand même mieux. 2,49€ et il y a plein de petits tampons super mignons. Tu as une glace, licorne, flamant rose, des petits diamants. Je trouve ça mignon et je pense que c'est plus sympa que les tampons d'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est pour la pitchoune et au moins, ça va l'occuper pendant les vacances. Toujours pour occuper, 49 centimes si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. 49 centimes et tu as 2 pages de sticker. Bon, là, je suis sur mini parce que la petite, en ce moment, elle est à fond sur mini. Donc, je lui ai pris ça pour l'occuper. Pareil, quand elle va faire des petits coloriages, elle va s'amuser à décoller et remettre. Après, ça, c'est mon homme. Ah, ben tiens. Pourtant, chez Action, je ne crois pas qu'il y ait une promo à acheter, le deuxième offert. Mais bon, bref. Donc, il a pris ça pour nettoyer les jantes. Je ne sais plus à combien ça... Attendez, je vais vous dire.
Tout a été préparé d'avance, mais on ne pouvait pas écrire là-dessus. 3,99 €. Et en fait, ça, on l'a déjà à la maison. Et franchement, trop bien. Mais je ne sais pas pourquoi il en a pris deux. Je pense qu'il s'est un peu espanté. Mais bon, voilà. Après, il doit connaître le prix. Peut-être que ça vaut vraiment le coup et que ça marche vraiment bien. Bon, c'est John, hein, toujours pareil. 1,65 €. De toute façon, ce n'est pas moi qui achète de la bouffe chez Action. Il a pris des noix de cajou, hein, que je ne dis pas de conneries. Je suis tellement pas gâteau d'apéro. Moi, le chocolat et tout, pas de soucis. Alors, c'est gâteau d'apéro, mais ouais, normalement, noix de cajou salée. D'ailleurs, il me semble qu'il en a acheté deux paquets et qu'il a déjà bouffé hein, sur le trajet en voiture. Que je l'ai mis à la vente direct. J'ai dit, et je t'explique, j'ai envie d'aller acheter Action. Il dit, oh, moi aussi j'ai. Ouais, mais c'est moi qui pilote. Donc, du coup, on reste à Action le temps que je veux. Alors, tu commences par râler, parce que lui, il râle vite. Et là, pour le coup, je lui ai mis direct d'office. Je lui ai dit, écoute, c'est moi qui conduis, c'est moi qui décide. On rentrera quand moi, je l'ai décidé. Bref. Voilà. Comme ça, vous connaissez toute ma vie. Ça va bientôt finir. Il ne reste plus grand-chose. Ça, c'est pareil. C'est pour le chien. 2,29 €. C'est des petits os en quoi? Comment ça s'appelle? Vous savez les trucs, là? Une espèce de bizarre, là. Avec tes oreilles de cochon, là. Attends. Je vais lire, je vais lire. Hein? Os à mâcher en babiche avec peau de poisson. J'avais pas vu. Dégueulasse. Alors ça, vous êtes tranquille, je ne vais pas le toucher avec les doigts. Alors là, on est plutôt tranquille. Je déteste les serpents et on dirait que ça a été entouré avec de la peau de serpent. Je vous montre de plus près. Loan, tu me dis si on voit bien. En fait, tu vois l'os. Et autour, là, ils ont entouré avec de la peau de poisson. Mais c'est écœurant, on dirait de la peau de serpent. Ah, putain. Heureusement qu'il y a du plastique parce que je... Ah, ça m'écœure. Bon, allez, on sort les derniers trucs, là. Allez, pour la pitchoune, 2,49 €, une paire de lunettes. Et il y avait plusieurs motifs aussi. Là, pour le coup, je lui ai pris mini. Attendez, je vais les sortir parce que je voulais trop les regarder en vrai. Hop. De toute façon, on est d'accord que les emballages, là, c'est vraiment que pour le haul. Et je pense qu'elles me vont au top. Là, pour aller à la plage, je suis neuve. Attendez, il y a un miroir. Et j'ose... J'ose faire ça, ça va que c'est vous, hein. Franchement, mais ne divulguez pas cette vidéo à n'importe qui. Surtout ce passage. Et attends, parce que niveau protection, ça dit quoi? Protection 100% UV, ok. Je fais n'importe quoi là. Franchement, je me rends pas compte que... D'ailleurs, je voulais vous remercier, on est 11 000 sur ma chaîne. Je trouve ça ouf. Mais ça veut dire qu'il y a 11 000 personnes qui vont voir ce passage. Yeah. Normalement, il y a toujours la minute glam, et ben c'est pas la minute glam, c'est la minute de. Comme vous l'appelez comme vous voulez. On est vraiment à la fin du film. C'est plein de taf. Allez, donc du coup, j'ai pris ça aussi. Donc, c'est des kits de bijoux. Et en fait, ça, je l'avais vu sur le catalogue, j'ai trouvé ça génial. Ils vendent ça combien? 4,49 €. Donc, en fait, c'est un kit de bijoux. Alors, je m'excuse auprès de Perle & Co d'avance. Mais là, les pitchounes, au moins, elles peuvent s'amuser. J'ai pas... Voilà. Et en fait, il y a un kit qui est déjà pas mal bien fait. Enfin, qui est bien. Avec des perles de rocaille blanches, dorées, grises, blanches, vertes, roses. Enfin, il y a plusieurs diamètres. De la chaînette, des coquillages, je pense, en plastique. Des dorés. Enfin, la petite pince, le fil. Franchement, je pense qu'elles vont s'éclater. Donc, j'avais pris un pour Alicia. Et un pour ma petite nièce Noélie. Parce qu'elle adore les loisirs créatifs aussi. Donc, je pense que ça va bien les occuper. Et écoute, franchement, je suis trop contente. Et il y avait plusieurs trucs, hein. Je ne sais plus si j'ai dit, j'ai dû le dire, je parle tellement que j'ai soif. Pourquoi je n'ai pas à boire là? Aïe, aïe, aïe. Il reste deux trucs. Hein. J'ai pris de la colle glue, alors ça, c'est le truc, on était à la caisse. Et à un moment, je suis, oh, il faut de la colle glue. Il me dit, bah, on en a à la maison. Ouais, mais non, il nous faut de la colle glue. J'ai pété mes lunettes de vue. Je suis dégoûtée. En fait, au lieu d'avoir des lunettes, eh ben, elles sont coupées en deux. Donc, je vais les recoller, ça va être magnifique. Heureusement que j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo en septembre. Donc, du coup, je n'aurai pas beaucoup à galérer parce que le rendez-vous, j'avais anticipé. Donc, du coup, j'ai rendez-vous en septembre. Je vais refaire une nouvelle paire et puis ça ira bien. Mais en attendant, il faut de la colle. Et en plus, elle est en gel. Donc, du coup, c'est top parce que la liquide, laisse tomber. Je m'en mets plus sur les doigts que sur l'objet à coller. Donc, voilà. Donc, c'est mon truc de secours. Et dernier truc. Alors ça, je vous avoue que je suis dégoûtée. Mais cette vidéo va sortir après qu'on l'ait offert, donc on est bon. C'est ma petite nièce qui l'a pris pour l'offrir à quelqu'un. Et le problème,
C'est que si je l'aurais vu ça, je l'aurais pris. Je suis trop blasée. Ah! Je vais te passer un truc. Je vais devoir les ramener, ces chaussures. Vous avez vu le petit diablotin? Et bien, du coup, ça, je vais me le prendre. Et franchement, prenez-le. Je vais l'ouvrir proprement parce que ça va être à offrir. D'ailleurs, ça coûtait combien, ça? 1,99 €. 1,99 €. Mais alors, attendez. Une pépite. Je vous l'ouvre. Je retourne à Action dès lundi. Alors, vous allez voir ces petites pépitas. Petite trousse de secours, elle a bien son nom. Déjà, elle est hyper mignonne. Je ne sais pas s'il y avait d'autres couleurs, d'autres motifs ou autres. Je ne pourrais pas vous dire, c'est pas moi qui l'ai pris. En tout cas, oh mais c'est trop cute. Pour l'ouvrir, en fait, t'as une bague. C'est une petite bague. Donc, tu peux mettre ton doigt dedans et tu l'ouvres. Franchement, ils ont pensé à tout. Et dedans, tu as tout le nécessaire. Donc déjà, tu as un petit miroir. Franchement, bon, il est petit, mais pour faire ce qu'il y a à faire, ça dépanne. C'est du secours, hein, il faut garder ça en tête. Tout est miniature. Donc, petit miroir. Petit Beauty Blender. J'espère que ça s'appelle comme ça parce que je m'en sers pas. Moi, je me sers que les pinceaux. En plus, il est hyper dur. Alors, je ne sais pas si, du coup, il est bien. Les filles qui s'en servent, le verront. On a un lot de petites barrettes invisibles. Vous savez, quand on a les petits frise-outils là derrière et tout, les petits cheveux. Mais ça dépanne, ça dépanne. Des petits cotons-tiges. Alors, je pense pas que c'est parce que tu as du cérumen dans les oreilles. Je pense pas que c'est pour ça. C'est petite retouche make-up. Tu vois, le liner, il a bougé. T'as pleuré, trop d'émotion. Bon, bref, tu as les petits cotons-tiges. Ensuite, une bébé lime à ongles. Trop mignonne. Et ça, franchement, je m'en servirai. Après, une petite pince à cheveux. Alors, je vous avoue que vu ma masse capillaire, ça accroche rien pour moi. C'est ridiculous. Mais c'est pratique, ça peut dépanner. Deux petits élastiques, attendez que je vous les montre. C'est les élastiques en caoutchouc là. Alors ça c'est pareil, mes cheveux, même... Je ne vais pas les casser parce qu'on va l'offrir quand même. Mais en gros avec ça, je ne fais même pas un tour. Je mets mes cheveux mais il n'y a même pas un double tour pour tenir. Donc deux petits élastiques, une petite pince à nourrice. Donc ça c'est pas mal. Tu as le débardeur, le bouton il a pété ou quoi. C'est Loane qui m'a dit, elle est trop bien derrière. Donc du coup, une petite pince à nourrice, tu as le bouton du chemisier qui s'est explosé ou quoi, ben, au lieu d'avoir les miches à l'air, tu as ce qu'il faut. Un petit coton démaquillant lavable, donc ça c'est hyper bien de toute façon, on n'est que sur du lavable, nous à la maison on n'a plus de coton jetable. Donc ça hyper bien, tu l'humidifies et pim pim. Alors ça je vous avoue, parce que sur le truc je ne voyais pas ce que c'était, parce que dessus tu as tous les trucs. Je me dis mais qu'est-ce que c'est ce petit dessin? Et en fait, pour vous dire jusqu'où ils ont poussé le truc. Les petites attaches pour les boucles d'oreilles. Tu perds l'attache derrière ta boucle d'oreille, tu l'as dans le kit, t'en as deux. Franchement, ils ont pensé à tout. Après, moi, comme je disais, je trouve ça génial, il manque la petite pince à épiler. Je sais pas vous, mais moi, il y a toujours le petit poil, tu vois, qui... Le petit poil, une écharde, peu importe. Même des pincements. Franchement, moi, je vais me l'acheter, mais je vais l'agrémenter un petit peu plus. Parce que de toute façon, il y a de la place. Le Beauty Blender. Ah, il est où le peigne? Ah, attendez. Il est contre. Petit. Oh, il est mignon. Petit peigne transparent à paillettes. Franchement, pareil. Tu mets ça dans mes cheveux, franchement. Attends, on va faire un test. Mais à mon avis, tu t'arrêtes en haut. Voilà. C'est pas fait pour ma capillarité. Hein? Mais bon, moi, je vais l'agrémenter autrement. Enfin, du moins, je vais rajouter des trucs. Je vais rajouter des petits pincements parce qu'il y a les enfants obligatoires et pince à épiler. Et en vrai, si je m'écoute, le truc de secours, il serait cette taille. Mais bon, on va essayer de voir light. Mais vraiment, juste moi, la pince épilée, il la manque, tu vois. Donc, on va ranger tout ça. On va le remballer. Genre, je ne l'ai jamais ouvert. Hop. Comme ça, quand elle verra le haut, elle va dire « Ah, mais vous l'avez vu avant de me l'offrir ?» Oui, on l'a vu, on l'a essayé, on l'a mis dans les cheveux, j'ai envie au moins. Ouais. Oh, écoute, vaut mieux vérifier. En fait, petit haul, mais je parle tellement. Ah, j'ai oublié le truc, c'est notre support. Loane, tu peux me passer le support? Et dernier article, en fait, ça me servait pour tenir, ça me servait pour tenir le téléphone. Et là, maintenant, c'est les mains à Loane. Donc, j'ai gardé pour la fin, histoire qu'elle ne garde pas le téléphone pendant 20 ans, qu'elle a fait, elle tremble. Et que vous dites, mais c'est bizarre, la vidéo, elle tremble. Tu vois. Bon, du papier canson, parce que j'ai vu qu'il en fallait dans la liste de rentrée scolaire. J'ai vu qu'il en fallait. Il vendait ça 1 € et quelques, 1,39 €.
Alors, j'ai pas le prix en tête dans les magasins, mais il me semble que ça coûte une blinde, ça. Ça doit au moins coûter dans les 3 euros. Et là, je l'ai vu, je me dis, ah, écoute, on l'aura. Mais voilà, écoute. Voilà. J'espère que cette vidéo, petit haul, vacances, rentrée scolaire, un petit peu bazar, activité pour les vacances des enfants et tout, t'a plu. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi en cliquant sur la petite cloche pour être informé dès que je sors une vidéo. Et puis en attendant, je te souhaite des bonnes vacances si tu es en vacances. Moi, pour le coup, j'y suis, je suis à la plage, je suis neuve. Bon, là, je vous avoue qu'on est un peu devant aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a fait les magasins. Sinon, pied en éventail, sur le sable, le soleil qui me crame la gueule, le monoeil et on est neuf. Ah non, ça, c'était avant d'avoir des enfants. Je m'étais trompée. Avec les enfants, c'est plus la même. Tu surveilles, t'es genre surveillant de baignade. Non, pas dans l'eau. Non, mange pas le sable. Non, fais pas ça. Attention, le sable sur la serviette. Bon, bref, tu sais ce que c'est. Allez, je te souhaite des bonnes vacances. Si ce n'est pas le cas, bon courage. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao.